Le choc des ambitieux pour ce déplacement d'Aix-en-Provence court à Toulouse. Le choc des ambitieux, mais surtout un vrai défi à relever pour Maxime Gilbert et le Phoenix face à une équipe du PAUC à qui tout réussit en ce moment et porté par un immense, un exceptionnel Wesley Parr. Et qui confirme sa forme du moment et son équipe qui confirme également sa réussite du moment. Alors avec les ingrédients bien connus, hein, bien perçus face à l'USAM sur la sortie précédente des Aixois. Ça fonctionne, ça arrive de partout, beaucoup de concentration. La défense, oui, mais pas seulement. La défense et surtout cet homme en début de partie qui va mettre à mal les joueurs pratiquement essentiels de Toulouse, à savoir Nemanja Ilić, le capitaine. Et puis de l'autre côté également, sur l'aile droite, ça aurait été très très compliqué. Jakobsen qui trouve des solutions. À ce moment-là, l'équipe de Philippe Gardan est encore au contact. Malheureusement, ça va un petit peu se gâter. Oui, jamais dans cette première période, finalement, Aix-en-Provence n'aura été inquiété, même si évidemment, Toulouse et Aix font touche-touche lors des 15 premières minutes. Mais le niveau va faire la différence avec une prise de pouvoir du PAUC et une emprise que ne va plus jamais relâcher Aix-en-Provence parce que tout simplement en ce moment rivaliser avec les Aixois est devenu un vrai défi pour les équipes. Ouais, très efficace, toujours la même recette, hein, la défense, les contre-attaques avec Gabi Leuch, Mathieu Hong également très performant dans les 15 premières minutes et puis Wesley Pardin qui ne laisse absolument rien passer. Malgré le temps mort, malgré les changements dans le jeu également proposés par Philippe Gardan, la différence est faite. Et regardez à la pause, il y a déjà 6 buts en faveur d'Aix en Provence. Oui, c'est un écart finalement constant sur le reste de la rencontre. Les soucis pour Philippe Gardan et un bon début de seconde période avec un changement de gardien, le Brésilien César de Almeida, qui va repousser simplement les échéances parce que les vagues successives vont se poursuivre et Aix-en-Provence va faire grandir l'écart avec inexorablement une victoire qui se profile. Toulouse semble un peu démunie. Oui, à ce moment-là, même sans suspense pratiquement, hein, les Aixois bien en place, sans en rajouter, qui profitent des ballons fournis par la défense, par Wesley Parlin, encore très bon en ce seconde période, avec des hommes différents. On a vu Karl Konan évoluer notamment en attaque placée. Alors un but vide, pourquoi? Parce que Philippe Gardan aura tenté tout ce qui était possible de tenter suivant les qualités du jour et notamment le jeu à 7 contre 6. Alors quelques petites possibilités pour les Toulousains, mais les Toulousains qui restent toujours à 7, 8, 9, voire même 10 buts à un moment de retard dans cette seconde période. Oui, tout l'effectif va tourner, tous les joueurs vont être impliqués. C'est un match parfait, un match total, un match plein, un match au cours duquel une nouvelle fois Aix-en-Provence aura impressionné en se positionnant clairement comme un favori, un prétendant au podium avec des forces à tous les étages, des postes doublés et toujours la même qualité, toujours le même sens de jeu avec un Thierry Anty qui fait des miracles permanents. Qui aura bien étudié la possibilité, les différentes possibilités, le dernier but de Marmier qui ne changera pas grand chose finalement à cette partie largement dominée par les Aixois. Sans surprise, on avait même senti Philippe Gardan, non pas désabusé avant la partie, mais qui s'attendait à une telle différence. Wesley Parlin, l'homme du match, la victoire du PAUC, troisième du championnat de France de Lidl Star League ce soir.